Bonjour à tous les téléspectateurs de AM-AM-TV. Bienvenue au Kutani pour la Sangwamawa. Otojina Tongwa Lelo. Ancien ministre des Transports, Chéribien Okende, Obinonio Soboyebi, Azali porte-parole et ensemble, parti Chéria Moïse Katumbi. Na moment Otozali Koloba, Bauti Bongo Kori, trouvé mort dans sa Jeep. Il était enlevé depuis hier par plusieurs hommes armés devant la Cour constitutionnelle, parce qu'hier, il était invité à la Cour constitutionnelle pour répondre à une convocation où il était invité à un entretien avec la Cour constitutionnelle. Et on nous apprend depuis hier à 1 h qu'il a été enlevé par plusieurs hommes armés. Et le député Chéribien Okende, l'opposant et porte-parole du parti de Moïse Katumbi, Natongwa Alelo, Mbake Kota, qu'il n'est plus assassiné à bord de sa Jeep. Alors, à ce net moment, sont en train de m'écrire à travers les commentaires pour demander, Maman Bibi, pourquoi vous mettez les noms de Fatih? Vous devez avoir quand même la tête. Hein, pour poser des questions pareilles. À l'époque de Kabila, quand on assassinait des gens, on mettait sur la tête de Kabila. Et aujourd'hui, voir qu'une personne qui a été invitée à la Cour constitutionnelle, députée de surcroît, ancien ministre de Transport et opposant, vit tout ce qui se passe aujourd'hui autour du parti de Moïse Katumbi, les arrestations quai du camp de Moïse Katumbi. Je ne vois pas une personne, en fait, rester debout et venir me dire que nous devons citer, en fait, les services et non Félix Tshisekedi. Cher ami congolais, hier, Félix Tshisekedi nous avait dit que son combat était de bannir toutes ses pratiques. Aujourd'hui, retrouver Félix Tshisekedi dans ses pratiques, alors comprenons directement que nous ne devons pas rester encore une minute avec Félix Tshisekedi au pouvoir. Oui, je vous l'ai dit comme ça. Peut-être Batobele Bamituna, mais la photo de sa Jeep, on n'a pas cette information. Bato Nyonso Bazan a besoin comme on a photo. Vous pouvez partir directement sur la page Bibi Kapingate 143. C'est là où vous allez retrouver la photo de Chéribien Okende et de la Jeep de Chérubin Okende. Nous sommes en train d'attendre d'autres informations parce qu'on lui a retrouvé dans sa Jeep déjà mort. Et là, on attend plus des informations sur ce qui s'est passé réellement. Mais moi, je vais vous dire et je vous confirme que nous devons citer le nom du président de la République ici. Parce qu'avec facilité, on l'a fait pour Kabila. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur non plus de les dire contre Félix Tshisekedi, et je suis claire. Et toutes les personnes au Balanda Kanga, ils savent bien, ils connaissent bien ma position. Parce que j'ai déjà dit à toutes les personnes qui soutiennent Félix Tshisekedi, je n'ai pas retrouvé de valeur de ce que Félix Tshisekedi nous disait hier. Et aujourd'hui, avec ce genre de pratiques directement, comprenons totalement que Félix Tshisekedi est à la base. D'autres personnes vont encore me poser la question de savoir, Maman Bibi Kapinga, pourquoi vous citez le nom de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi à Kananga, à Mbujimayi, pardon, il nous dit à travers son message face à l'Église catholique, même si on va lui traiter d'un dictateur, même si on va lui reprocher de droits de l'homme, si c'est quoi, je vais chercher en fait cette vidéo, je vais vous le mettre peut-être le soir. Encore une fois, toutes nos condoléances à sa famille politique, biologique, et chapeau bas pour son combat. Quand je disais à toutes les personnes que l'UDEPS, avec son intolérance, ils vont arriver sur le vie des gens.
Beaucoup de gens me disaient non, l'IDPS, c'est un parti soi-disant démocrate. Et aujourd'hui, qui peut encore rester debout pour nous dire, après ces forfaits que Félix et Tshisekedi vient de commettre, après cet assassinat politique, que Félix et Tshisekedi, c'est un démocrate. Qui? Pourquoi politique et koki koti kalanakatia débatté? Pourquoi arriver jusqu'à toucher des vies des gens, Félix et Tshisekedi? Pourquoi? Pourquoi faire ça à tes propres frères qui t'ont aidé hier? Pourquoi? Pourquoi faire ça aux Congolais qui sont restés derrière les combats de ton père? Pourquoi? Parce que Félix a outil pour casquette, il y a un assassin. A outil pour casquette, il y a un dictateur. Il veut rester au pouvoir jusqu'à quand, je ne sais pas. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous, cher ami. Ceux qui t'ont réveillé, il va nous tuer tous. Aujourd'hui, Félix et Tshisekedi, on a la journaliste, on a la nani, et t'as l'été, l'Obama, l'Amunae, ceux qui ont tali si kakamabenae, ben invité on a la justice. Tout ce qu'on a dit qu'on a biso, Achille Kadima. Achille Kadima a publié un article sur la vérité de ce qui se passe à Lubumbashi. Sur la vérité de tout ce qui se passe à ce sujet. Baké pour inviter la CNS pour lui interroger. Et ben des connus sont des journalistes, Bati qui est, Balobi Azui, Akende, Basambisaye. Donc même aujourd'hui les lots, dans le secteur nous sommes tous comme divisés. Tous comme divisés, ben des connards. Cause nani, Félix et Tshisekedi. Qui est à la base, Félix et Tshisekedi? Ceux qui ont l'indépendance des Congolais, ils ne bénéficient à rien. Après qu'on commis à Félix et Tshisekedi. Maintenant qu'on se met l'autre côté. Mais ma commis, le coup là-bas, tu vas ligoter ma mot pour adorer que Félix et Tshisekedi et rien d'autre. Et là, je vous parle. Nous, tous les ans, là, nous pouvons traîner. Aïe, aïe, aïe. Des photos, je ne peux pas vous mettre. Je ne sais pas vous mettre ces photos. Je ne sais pas vous mettre de photos, mais je vais vous mettre quand même quelques photos pour que bon monde. Parce que les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Les gens pensent que nous sommes en train de rigoler. Quelqu'un tué comme ça. Pourquoi tuer des gens comme ça? Pourquoi? Quelle politique ça? C'est quelle politique? Tiré par balle. Monsieur Chérubin Okende n'est plus. Là, je vous parle, je suis sérieuse. Parce que je vois des images très horribles là. Qui vient de m'arriver. Oh là 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 là, la politique de Félix et Tshisekedi. Enfin, Félix et Tshisekedi vient de se livrer seul. Oui, il vient de se livrer seul au peuple congolais. Pourquoi tuer un monsieur comme ça, qui a une famille, qui a sa femme? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Enfin, Bahouti. Et là, je vous parle, je vais vous diffuser quelques photos. C'est quand même grave. Je vais vous diffuser quelques photos de Chérubin Okende. C'est quand même grave. C'est vraiment grave. Je ne sais pas dire quand même. C'est vraiment grave. Ce que je vois là, c'est vraiment grave. Vraiment grave. C'est vraiment grave ce que je vois là. On tue quelqu'un juste parce qu'il ne vous soutient pas. C'est grave. Voilà. Je vais vous mettre cette photo-là. Vraiment, vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Bande Konanga, Félix et Tshisekedi a commis na souka. Félix et Tshisekedi a commis na souka. Il y a pouvoir naïe. Voilà. Je vais vous mettre cette photo-là. Il y a un de Chérubin Okende assassiné, nakati ya jeep naye.
Wana bozo mouna eza jeep yande ko chéri ben okende. Voilà. Wana jeep yande ko chéri ben okende. Oh ba retrouvé na poids lourd. Et oh yo ezali photo yande ko chéri ben okende. Oh ba bomi. Bomoni. Voilà. Yande ko chéri ben okende. Photo na yango wana. Et cette photo, cette vidéo, je veux que tous les Congolais de partout puissent partager, 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 partager cette photo. Partager cette photo, partager cette vidéo pour donner l'information à toutes les personnes. Oh, baza koula na biso, boko excusez nga. Bon, partager photo à Nabato, baza sensible comme moi peut-être. Oh, bako kouka, koyoka, information. Oh, tebos et la pardon, s'il vous plaît. Je ne saurais pas parler seul. Je dois quand même faire intervenir le gens. Autant que nous sommes partis à Moïse Katumbi pour que nous parlions à Bangoba, mais qu'à vous commenter. Allô? Bonjour, M. Christian. Oui, M. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Bibi. Oui, on vous suit en direct sur ma mission type, s'il vous plaît. On a besoin de plus de précisions sur cette mauvaise nouvelle qu'on vient de recevoir ce matin, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bonnes questions. Bon, l'honorable, le chérimé Okin, qui est hier, dans la constitutionnelle, il est parti déposer un courrier. Oui. On n'avait pas de nouvelles de lui. Ce matin, on a retrouvé son corps avec des balles sur son corps au niveau de l'unité. Donc, c'est les seules informations que nous avons jusqu'à maintenant. Là, nous sommes au siège de notre parti. Ce n'est qu'après cette réunion que nous allons donner la position officielle du parti par rapport à tout cela. Il a été invité pourquoi? Que nous sommes en train de subir. Il y a des arrestations. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des assassinats. Nous sommes, on ne sait plus quoi dire. Neko Christian, s'il vous plaît, vous avez parlé en français, vous allez nous aider aussi à parler en lingala. Neko Bele, à travers ma mission TV, tout ce qu'on a nouvelle, il y a assassinat, il y a Neko Chéribin Okene, Azala qui a invité lobby dans la cour constitutionnelle, Lelo, bah assassiné, et qu'est-ce que vous pouvez dire en fait, Naba Congolais? Oh, Nyan Sobaju, information. Lobby toujours qui m'a fait que le Kouchéribin Okende a été enlevé devant la cause constitutionnelle. À côté là qui est la Katamoto Kabamemiye, la Katamoto Kanaï. Et son garde rapproché a été défendu pour pratiquer un document la Kati. Tant qu'à Bimi, à côté de Bakenda, il y a déjà, on n'avait pas les informations ici Kabamemaki. Et le long de quand on nous gâteauillait, bah, de quoi il s'agissait, on apprend que son véhicule a été retrouvé dans quoi on a une attaque, et puis dans la balle, la bêtise, la maquille. Je pense que la vôtre, il est là, c'est tout, on va juste sur place. Ma photo ici, il y a un autre côté de ma photo, pour moi, il y a un autre côté de Awa. Alors, nous, de notre côté, nous n'allons pas cacher cette information dans le sens de marcher comme votre parti vous attendait, si c'est quoi, je ne sais pas. Mais nous, nous communiquons en disant que Ezali, team politique. C'est la position officielle du parti, parce que je suis arrivé à n'importe qui, c'est le porte-parole de notre parti. Donc, là, on nous a vraiment poignardé en plein cœur. Nous avons mal, avec des arrestations, on a toujours décrié déjà, il y a mon Keba, il y a Salomon installé là où aujourd'hui, que notre cadre de parti, c'est le gouvernement dans les circonstances comme ça. En tout cas, c'est pas bon, c'est pas bon pour la moca, c'est pas bon pour notre démocratie, et ce n'est pas bon, surtout quand nous sommes à l'approche des élections, ce n'est pas une bonne image. Nous allons pas nous fatiguer, nous serons derrière Moïse Katumbi. Donc, nous n'allons pas reculer. Donc, continuez comme un habit sur le nez, mais tout le monde. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Ndeko Christian. Alors, à toutes les personnes qui suivent ma mission TV, à Kolobaté, parce qu'il est politique,
Mais moi, j'irai tout droit pour dire à toutes deux personnes, déjà, si je ne soutiens pas ces pouvoirs, parce que Nazara qui déjà pour sentir ma cambe à ma bé comme Imanasima, pouvoir eux. Tant qu'on a suivi Bissabatou, que Félix et Tshisekedi dit, à cause de la wana kaka pour na koboma ba Congolais. Et Bango Bayebi Sibiso qui sont du bon côté de l'histoire. Siko Boye Bisanga, du bon côté de l'histoire. C'est ça, tuer des gens, assassiner les gens, crime de sang. C'est très inacceptable ça. Et il n'y a pas d'excuse dans les Kambo. Parce que les commentaires, le message de Félix et Tshisekedi dit, vraiment, Elobaki Nyonso. Akoboma, Akotumba, Akokalinga, Congolais Nyonso à cause de la contre, pouvoir naïe, parce qu'ils allaient pouvoir, ils allaient komatanamote manaïe, ils allaient pouvoir loyer à Kokakotika et ils allaient très cher pour naïe. Ce n'est pas les Congos qui est cher pour Félix et Tshisekedi, mais plutôt les pouvoirs. Mais ils allaient cher pour na Félix et Tshisekedi. Je n'arrive pas, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à concevoir ça. Mais bon, à tout à l'heure pour plus d'infos, s'il vous plaît. J'ai très mal. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est très triste. C'est très triste. C'est très triste. C'est vraiment triste. Voilà pourquoi je dis à tous les Congolais de commenter partout, de publier. Félix Tshisekedi vient de tuer un opposant. Parce que hier, on l'a fait pour Kabila. Aujourd'hui, on doit le faire pour Félix Tshisekedi. Il a tué Tchéribert Okende. Nous devons le faire comme ça. Et je pense que c'est par là que je vais mettre fin à mon direct d'aujourd'hui. Au moins, vous avez eu l'information. Triste à toutes deux personnes. Au Bazaki, qu'on se joigne de Tchéribert Okende dans mon thème. Oh, Yazalaki, papa pour Nabango. Oh, Yazalaki, modèle pour Nabango. Akufi, moto, likolo. Et voilà, Félix, et tu sais que, dit-on, Otoko et Bisabino, qui Azali, assassin, Abanda qui kobo, Mabanda, Kalame, oh, aussi, quoi, et s'afficher, Boko et Bisangai, non, c'est du mensonge. Et voilà maintenant. Voilà maintenant. À bon entendeur. Salut. C'est regrettable. La culture du mensonge est en train de gagner du terrain. On ment comme on réussit au Congo. On ment pour couvrir ses propres inepties. On ment pour couvrir son incompétence et parfois pour justifier son irresponsabilité. On ment.